practical inspiration to all. Working hard every day, never to fall. From bottom to the top, Tom Psycho never stopped. Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Du coup les potes, bon, il faut qu'on remonte la barque. Ça va pas, hein, ça va pas du tout là. Ah là là, regardez le classement, il fait peur. On est 3ème, 37 points, on a 10 points de retard sur l'Atletico. On est vraiment à la moitié du championnat là, avec 19 matchs joués. Merci Serge pour le sub. 35 mois, putain c'est beau. Merci infiniment. Ouais, mois prochain 3 ans. Putain, merci beaucoup frérot. Merci beaucoup. Du coup, ouais, ça va être chaud. On va essayer de revenir les potes, hein. Ma foi, on n'a pas trop le choix, hein. On va tout donner, essayer de revenir au maximum. Et puis, bah, on va voir si on peut réussir notre petit défi, hein. Au niveau des buts, comme d'habitude, on est plutôt bien. Avec 25 buts en 19 matchs. Donc, au niveau meilleur buteur, ça va le faire. Mais là, il faut qu'on soit champion et ça va être compliqué, quoi. Bon, de toute façon, on doit rejouer contre tous ceux qui sont devant nous. Donc là maintenant il y a pas de on cherche quoi que ce soit d'excuses, il faut qu'on gagne. Allez hop, on met le son du jeu et c'est parti. Les points virtuos solitaires. En fait en gros regarde frérot, je te montre vite, si tu veux dans mon pro, tu as la personnalité. D'accord. Et cette personnalité-là, en fait, va te donner des points bonus. Comme tu peux le constater, moi, là, je suis plutôt solitaire. Donc, du coup, solitaire, je gagne plus 5 en pénalty, plus 5 en précision coup franc, plus 5 en dribble, plus 5 en conduite de balle, etc. Si tu es fiable, tu gagnes sur d'autres stats. Et si tu es virtuose, tu gagnes sur d'autres stats, tout simplement. Donc, voilà. C'est à ça que ça te sert, en fait, pour augmenter des stats en plus. Voilà. Tu peux voir ça dans personnalité. Et puis, tu vas dans... Attends, je voulais être... Ouais, en fait, mon pro, personnalité. Et c'est là. Hein. C'est là que tu vois. Et tu vas à droite avec ta flèche. Et puis, tu peux voir les stats que tu as en plus. Tout simplement. Ok. On n'est pas nommé pour le ballon d'or. Malheureusement. Enfin, on n'a pas été nommé cette année. Donc c'est parti. Allez, 5 défenseurs. Putain, les petits connards, là. Allez. Allez, tac, 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 tac. Nous sommes partis, les potes, pour le mode carrière, en espérant cette fois-ci qu'on fasse un bon match et qu'on y aille. On est en, comme d'hab, les gars, difficulté légendaire. Cadrer 3 tirs, cadrer 4 tirs, réussir 10 passes dans le camp adverse ou réussir 15 passes. Vas-y, on va faire ça comme objectif amélioré. On va clairement privilégier les petites passes. Ça fait une. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4. Donne la balle, je dois faire mes stats là. Ça fait 5. Ah ouais, ils veulent plus. Ils ont compris. Bah ouais, mais c'est ça pour la perdre. Pedri, t'es un gamin. En vrai, franchement, il y avait moyen de... Oh, pressing. Dommage. Il y a moyen de me faire, hein, Pedri. Vraiment, déçu de toi. Hein. Ah là, ça va être dur quand même, hein, cette saison. Il faut qu'ils fassent 3 faux pas en 18. Bon, après, ils vont pas gagner 19 matchs d'affilée. Hein. Mais est-ce que nous, on peut gagner 19 matchs d'affilée? C'est un peu la question, hein, parce qu'au final, je pense que c'est pas loin de ça qu'on va devoir sortir comme statistique. Hein. Donc, on va voir. Après, tout peut se passer, hein, vraiment. Bim! Ouh, dommage! Allez, tu me la donnes. Voilà, je me bats, t'inquiète, maintenant que j'ai perdu. Elle a demandé la passité de démarquer. Bon, au bout d'un moment, pas mon guillet pour ça quand même, coach. Oh non, on devait l'avoir, j'aime pas ça, j'aime pas quand ça passe entre deux joueurs. Non. C'est dur. Ça commence déjà à être compliqué. Allez, on se positionne là pour la relance, si jamais il y en a une. Gardien. Voilà, très bien. Et on y va. On y va, les potes. Alors, bon, j'ai personne avec moi, hein, clairement. Pas pouvoir y aller, là. Vas-y, t'inquiète. C'était bien joué. J'ai pas pu trouver après un coéquipier dans les 16, mais c'était bien vu. Oui, les gars, let's go. Allez, 1-0, on est bien là. Juste dans le nombre de passes. Oh là, 8 déjà, il y a plus de la moitié. Oh là là. On est bon. On n'a pas marqué. Après, franchement, marqué, on s'en fout un peu. Nous, on veut juste maintenant gagner les matchs. C'est ce qui va être prioritaire pour nous.
les buts, je vais pas vous mentir, je pense que ça viendra naturellement et on n'a pas trop de soucis à se faire sur le fait d'être meilleur buteur du championnat cette année espagnol pour notre première participation. Je vous rappelle qu'on est en prêt hein, de Manchester. Non, mais c'est quoi ça? Du coup, voilà, là maintenant, il faut juste se focus sur vraiment gagner nos matchs et se mettre à l'abri assez rapidement, quoi, si possible. Bien joué, gars. Oh, oh. Récupérez la balle, s'il vous plaît. Pas de réduction du score. Bien joué. C'est quoi ce dégagement, là, de stresser? Où je suis passé? Vas-y, vas-y, il y a un truc à faire, là. On sait que sur ce côté, je suis performant. Ouais, il court vite, lui. On dirait moi qui frappe n'importe comment là. Allez, allez. Dessus. Dessus. Voilà, heureusement qu'il a bégayé. Très bien. Ouah, dommage. Dommage. C'était pas mal. C'était pas mal ça. Ça se rapproche les gars. Ça se rapproche. On va le prolonger. Oh, oh c'était beau. Entrée. C'est quoi cette passe de merde? Oh là, bien battu. Bien battu. Mais oui, la grinta les gars. Let's go. Combien de passes? 12, let's go. Vas-y on continue, on continue. On est bien. Plus important quel ajout. Je sais pas. Après là c'est plutôt tu vois au niveau. Je trouve que c'est quand même très scripté quoi. Je trouve que le jeu fait vraiment tout en fonction pour te faire un peu perdre les trucs qu'à la base sont logiquement gagnables. Je suis en jeu, je peux pas la jouer. Donc ça peut-être le script un petit peu moins. Après en vrai non sinon je le trouve plutôt solide. Là comme ça j'ai pas d'idée. Après vous allez en dire plein et je vais dire ah ouais vous avez raison. Là comme ça tout de suite j'y ai pas forcément pensé. Mais ouf. En fait il y a un problème, c'est que c'est un peu trop répétitif au bout d'un moment, tu vois. Là je veux dire c'est vrai que on change vite de club parce qu'on a c'est un peu trop répétitif. Si on simule les matchs ou si on joue les moments forts, c'est parce qu'aussi ben, on n'a plus trop envie de jouer tous les matchs à fond. Mais donc peut-être trouver quelque chose qui peut faire en sorte que ce soit un peu moins répétitif. Ça peut être sympa. Évolution des stats trop rapide. Ouais. Plus compliqué pour... Ouais, peut-être. Après... Ouais non c'est possible, t'as peut-être raison. Pourquoi je suis là moi? Laisse-les défendre, ils vont se débrouiller un peu. Faut que je remonte. Reviens à ton poste, ouais bah désolé de vouloir aider l'équipe coach. Non pas de but s'il vous plaît, pas de but. Dégage. Ah dommage. Ouais après les différentes coupes, les trucs qu'il faut rajouter ça bien sûr, mais bon après bah, c'est une question de droit, hein, tu connais. Hein. Ça tu connais, hein, c'est toujours un peu le même problème. Le changement de nationalité peut-être en cours de partie peut être intéressant. Pour moi qui suis suisse et qui peut pas jouer en mode... qui peut pas jouer en sélection du coup. Mais qu'est-ce qu'ils font? T'as vraiment l'impression... Tu vois là c'est vraiment l'impression qu'ils veulent faire en sorte que l'équipe adverse revienne quoi. Parce que depuis le début de la mi-temps j'ai pas touché la balle hein. J'ai pas réussi à toucher la balle. C'est bizarre. C'est pas le plus rapide lui par contre. Enlève-toi. Ah, il voulait absolument marquer et il voulait me prendre la balle là. Jouer. Je suis combien de passes? Ok, j'ai mes passes. Dès qu'on a 8-5, on peut finir le match. De note. Vas-y.
Pas de danger. Pourquoi tu perds la balle comme ça? Je trouve même pas que j'allais frapper, hein. Je pensais que j'avais la balle là. Tu vois, je vais pas réussir à remonter à 8-5 de notes. Et pour nous, et pour nous. Enfin, mon prix. Quoi? Ah, vas-y, 8-3. Oh, dommage, ça aurait été beau là. Petite frappe du gauche, pleine lucarne. Oh, reviens à ton poste. Bah, tu rigoles ou quoi? Putain, le coach, il m'aime pas, hein. Non, c'est my bad. Ouais, je sais pas, la Suisse, aucune idée. Franchement, tu sais, les tenants, les aboutissants des droits des équipes nationales, franchement, j'en ai aucune idée. Je vais pas te mentir. Bon bah du coup on n'aura pas la note. On est un peu déçu. À moins qu'on ait une dernière action. J'arrive à marquer. Apparemment pas. Non. Dommage. Bon, 2-0, au moins on prend les 3 points, c'est le plus important les potes, hein, on va pas se mentir. On aurait bien voulu faire tous les défis, mais bon, premier match, au moins ça passe. Et ça c'est très très bien. Ouais, on verra au niveau des équipes nationales ce qui sera disponible, pas disponible, les gars. Ça, vraiment, j'ai pas cette info. On verra bien. Ok. Hop, ça récupère. Mais tu vois, le problème, c'est quand on réussit pas le premier défi, on perd. Enfin, le coach est fâché, quoi. Vas-y, on va se faire un petit entraînement. Histoire de garder la position de titulaire. Apparemment ça va être la coupe, prochain match, donc super coupe, je vais pas la jouer, hein, comme je vous le dis les gars, on va se focus sur le championnat de ouf. Après si on gagne et puis qu'on arrive loin, bon bah peut-être qu'on commencera un petit peu à se poser des questions. Mais là non, sinon on la joue pas. On gagne 2-0 quoi qu'il arrive, but de Dembélé et Ferran, donc très très bien. Pas de soucis à ce niveau là, on passe au tour suivant. Let's go. Nous c'est le championnat hein, là qui va nous intéresser. Et là on y arrive, hein. Là on y arrive. Ah bah non, ok, super coupe aussi. Demi-finale. Donc là c'est la finale déjà. Attends, c'est la finale là? Ah oui, d'accord. C'est la finale, ok. Et bah let's go, on va jouer la finale quand même. Mine de rien. Une petite finale, un petit titre à aller chercher, hein. Allez. Ah j'étais remplaçant, oh puis on perd 1-0. Ah bah oui, bah bien sûr. Bah bien sûr, bah oui, j'ai simulé, donc on m'a remis remplaçant. Bon, bah au moins on a un petit défi. On perd 1-0, c'est la 60ème les gars. Y'a Kimmich? J'ai bugué ou j'ai vu Kimmich dans mon équipe? C'est possible, hein. C'est truc des transferts que j'ai pas suivi. On a un rouge aussi, ok, nice, bah c'est... Ça m'a l'air d'être un bon match, quoi. J'ai mon Elgato qui bug, là. Oh, elle était bien. Elle était bien. On va essayer de la prolonger, comme d'hab. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec cette technique, mais... Gourmand. Let's go! Yawaii aussi. Non mais moi je découvre mon équipe, hein, plus les matchs avancent, hein. C'est magnifique. Allez, let's go. Égalisation à 10 contre 11. Ça c'est beau.
les gars, focus. Oh là là, c'est dangereux ça. Ouais. On savait que c'était dangereux. Hein. On l'a dit. Hein. Bon, on est mené. J'ai voulu faire un appel directement, mais il a pas voulu donner. Vas-y, joue en bas, vas-y, joue. Aïe, 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 ça sent mauvaise cette histoire. Ça sent mauvaise cette histoire. Oui, exploit perso. Prends la balle, montre-leur. Montre-leur que c'est pour nous là. Oh, elle est belle celle-là. Bim. Vas-y. Focus, ça va le faire. On va réussir à passer l'épaule. Même à 10. Pas de problème à ce niveau-là. Attention, attention. Bien joué. Belle interception quand même. On va le dire, belle interception. Compte favorable. Je connais la fin. Hein. Oh là là, l'arrêt miraculeux du gardien. Ça, c'est un arrêt miraculeux, ça je reconnais. Hein. Les deux. Pas c'est méga mauvaise. Voilà, on lui a mis la pression. Oh, yeah. Oh c'est. Oh dommage en jeu. Merci Madstar pour le sub. Non, le raté, il est monumental le raté. C'est quoi ça? Ah, j'ai frappé exprès pas fort pour assurer. Oh, j'ai un seum. Oh, c'est la balle de titre ça. Y'a rien. N'oublie pas que tu peux pas dribbler l'ordinateur, psycho. Non, pas encore un compte favorable. Voilà. C'est peut-être la dernière là. Et sur le côté là. Je prends la ligne, je prends la ligne. Moi je passe dans le dos alors. Putain. Trop lent. Sixième. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Non. Non, oui, bien, bien. On joue la dernière, on joue la dernière à fond, on joue la dernière à fond. On joue la dernière à fond, les gars. Hein. Ah. Boum. Oui. Let's go. La chatasse, elle est pour nous. Oh là là là, il a mis une frappasse lucarne là. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle celle-là. À 10 contre 11. Hein. On défend, on défend, on défend. On défend, on défend, on défend. Ah, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est bon, c'est pour nous, c'est fini. Voilà, les gars! Le titre! C'est beau, ça. On prend, très clairement. Premier titre, hein, il me semble. C'est aussi ton joueur se consomme hyper vite. Non, mais après, il faut faire les entraînements
pas forcément avant les matchs aussi. Faites attention à ça. Faites des entraînements vraiment quand vous êtes loin d'un match, parce que sinon après vous êtes méga fatigué. Après t'as aussi des stats à mettre. Hein. Putain, Kimi, je suis capitaine direct. Par contre, je suis à côté du capitaine. Hein. Voilà, je suis là, je suis présent. Hein. Vraiment en premier plan. Allez, le petit titre qui fait plaisir. Très très bon ça. Coach, tu m'aimes bien là, tu me remets titulaire. Quand même. Voilà, je préfère. Merci, merci coach. Tu vois là, typiquement, j'ai un match dans combien de temps? J'ai un match dans... Bah maintenant, donc là je peux pas faire l'entraînement, tu vois là c'est un peu chaud. Donc du coup on y va comme ça. Et je ferai l'entraînement quand il sera un peu plus... Putain, par contre en Espagne, je joue tous à 5 défenseurs. Vraiment en championnat peuplé de puputes. Hein. Oh là là, c'est grave quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme petit défi aujourd'hui? On va devoir... Putain, 10, on peut pas marquer 3 buts, ouais, d'accord. Vas-y, on va faire le taux de dribble. Hein. Allez, la note de 10, les gars, je peux pas le faire. Quoi. Les mi-temps sont pas assez longues. Donc compliqué pour moi. Ça, tu vois, il devrait adapter, par exemple. Tu vois. Et puis bon, les défis sont méga répétitifs. Pourquoi pas mettre des défis bien plus compliqués, mais au moins fun. T'as du fun à le tester. Tu vois, marquer une reprise de volée, marquer une tête. Ça aussi, tu vois, peut-être qu'il faudrait qu'ils changent un peu les défis, parce qu'au final, c'est toujours les mêmes. Hein. La possession, qui va pas dépendre de toi si tu joues en mode pro. Marquer des buts, la note du joueur. Voilà, c'est un petit peu chiant, quoi. Au bout d'un moment, très répétitif. Je crois que je fais une passe à David Beckham, les gars. Bon, par contre, après, ils en font un peu n'importe quoi, mais... Donne-le-moi, je suis sûr, je mitraille. Oh, y a main. Bah oui. Oh, le coup. Oh, les gars. Oh, les gars, regardez ça. Je me suis entraîné, hein. C'est bon, c'est dedans. Oh, le but! Double bicyclette! Double! Hop, ouais, une bicyclette à ciseaux. Tu penses que PEH... Putain, vous êtes trop sur les raccourcis. Hein. Je sais pas, frérot. Je sais pas, je suis pas son agent. Je sais pas du tout. Mais franchement, maintenant que tu me le dis, je verrais bien au bas à l'OM, moi. Je verrais bien Aubameyang à l'OM, là, si Alexis part. Franchement, au bas à l'OM, il y a un beau truc à faire, je pense. Ce serait ouf, en vrai. Oh, elle est belle. Vas-y tout seul. Ah, dommage. Ah putain, j'ai lu Pierre-Emerick, moi. Ouais, j'ai Red LH. C'est PEA, tu voulais dire, non? Parce que j'avoue que... Moi, le début m'a parlé, mais... dommage. Déjà, il nous faudra un coach à l'OM. Ouais, ça, c'est un délire. Hein. Ces équipes qui font des mercato alors qu'ils n'ont pas de coach. C'est... Surprenant! Mais attention, c'est quoi ce festival? C'est que des ciseaux aujourd'hui? Mais alors là... Oh, non. Que des ciseaux. Ah ouais, là on est en mission. Hein. Là on est en mission aujourd'hui hein, pour remonter au classement. Hein. Bien. Je voulais un LBY moi. Le temps sur la page, je suis désolé frérot. Attends, je rattrape mon erreur. Voilà. Vas-y, repars.
Voilà, je la mets là. Centre. Oh, c'était le match d'une vie là. C'est quoi cet arrêt? Il dégoûte. Oh, il dégoûte l'arrêt qu'il fait. Non. Oh. On pose du spectacle là. Et franchement, il y a un truc hein, sur cette prolongation premier poteau, moi j'aime bien. Oh, c'est dur. C'est dur. Je dois voir les défis. C'est quoi marquer au moins? Ok, je marque encore un but et je me tire. La carrière, c'est 15 fois plus kiffant que Fut là. Bah là, à l'heure actuelle, oui, Fut est pas intéressant. Fut est très intéressant les 4 premiers mois environ, tu vois. Après, ça se lasse. Mais là, tu vois, comme d'habitude. En fait, Fut là, par exemple, moi, tu vois, c'est Bruno m'intéresse de ouf. Donc j'aimerais bien réussir à aller m'acheter Bruno. Mais voilà, un joueur, je sais qu'après, je vais faire 3-4 matchs. Et puis après, ça m'aurait déjà saoulé, tu vois. J'ai fait 4 victoires en Fut champion, les gars. J'ai même pas fini. J'ai pas la force, pas la foi. Donc ouais, mais là après oui, le mode carrière quand même plutôt cool quoi. Mais après comme j'ai un peu répétitif au bout d'un moment, c'est pour ça que se donner, tu vois, ce défi là de gagner dans tous les grands championnats, c'est assez excitant. Et je pense que le mode carrière, le mieux à faire, c'est de monter un petit club et de le faire gagner une Ligue des Champions. À la base, c'est pas possible, tu vois, genre Servette, tu le prends et tu restes jusqu'au bout. On sait que c'est compliqué parce que bah il faut que tu arrives à avoir des jeunes, donc ça prend du temps à les monter, etc. Pour pouvoir éventuellement aller jouer une Ligue des Champions. Parce que après, en fait, tu peux pas acheter de gros joueurs quand t'es un petit club. Tu vois, si tu restes réaliste, tu peux pas. Mais bon, ça c'est aussi un peu dommageable, tu vois, parce que disons que tu vois, tu fais un mode carrière avec Servette. Admettons que chaque année après tu joues la... Oh putain. Chaque année tu joues la Ligue des Champions. Parce que moi là je sais que j'étais à la 4ème, 5ème saison ou un truc comme ça. J'avais une équipe que de jeunes, hein, vraiment 20 ans, 22 ans max. Mais c'est que des mecs que j'avais eu au centre de formation. Et donc du coup j'avais limite que des mecs à 85 minimum. Et ça allait jusqu'à 88, 89. Ils restaient chez moi, pourquoi? Parce que je leur ai signé des énormes contrats quand ils étaient jeunes. Let's go. On peut quitter le terrain fier. Et le problème qui se passe, c'est que ben je peux pas signer de gros joueurs parce que je suis un trop petit club. Mais au bout d'un moment, quand tu gagnes tous les ans le championnat et que tu joues tous les ans la Ligue des Champions, t'arrives en tout cas en demi-finale, il faudrait que ça puisse changer, tu vois, que la renommée d'un club puisse augmenter. Et que tu puisses après, ben, au bout d'un moment, acheter les gros joueurs si ton équipe eh ben, joue les premiers plans, quoi. Parce qu'au final, tu t'amasses thune. Transfert, parce que des fois, t'as des mecs ben, que tu revends. Tu te retrouves avec 800 millions. Bah tu peux rien en faire quoi. Tu vois. Allez, on avait réussi tous les défis, du coup on s'est permis de quitter le terrain. Et on gagne encore, l'Atlético a gagné apparemment. Quoi, moins 5? Mais j'ai réussi tous les défis. Il saoule hein, ce coach. Tu vois là par exemple. Classement. On a toujours 10 points de retard. Ouais, toujours 10 points de retard. Bon, on est passé devant le Real, mais toujours 10 points. Ils ont pas fait de faux pas. Ils ont pas perdu un seul match encore. Hein. C'est fou. C'est fou quand même. Ils ont pas perdu un seul match, quoi. Oh, les gars. Les gars, je crois que je peux acheter le dernier truc qui existe dans le jeu. C'était pas 8-9. Ah, c'était. Ah, moi, je crois que c'était 8-5 qu'il me fallait. Mince, moi, j'avais pas vu. C'est bon, les gars. Je peux acheter mon yacht. Bah, let's go. Voilà, c'est bon. Et ben, il n'y a plus rien à faire. Là, clairement, il n'y a plus rien à faire, là, les potes. On a tout fait. Hein. Ben, investissons, hein, puis voilà. Ah ouais, ouais, 10 points de retard, je te dis, ils n'ont pas perdu un seul match. C'est fou. Allez, domicile, Osasuna. Let's go. Je suis remplaçant, putain, j'ai pas fait gaffe. Psycho, fais gaffe, c'est important. Je suis un connard. Après j'ai pas fait l'entraînement parce qu'il y avait des matchs rapprochés. Mais vas-y, c'est bon, on va aller marquer vite. Ouais, par contre si tu me fais des passes comme ça, moi je m'y attendais pas, j'étais déjà en train de partir pour faire un appel en profondeur. Ouais, il m'a bu, tu peux le dire. Oh, on manque de tranchant là quand même.
un gros surnom. Attends, c'est quoi mon poste? Parce que là, ils m'ont fait jouer quel poste? Non, je suis en pointe. Ah, peut-être à gauche. Peut-être je suis à gauche quand je rentre. Je leur mets la tête. Oui, non, pousse là au fond, Ferran. Oh, c'est moi qui frappe comme ça ou l'a dévié? Dis-moi qu'elle a dévié. Elle a dévié. Ah ok. Vas-y viens. Oui. 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 Mille. Oh, sauf. Oh. Comment il l'a sauvé celle-là? Une main. Elle est pour moi. Non. Mais gamin, laisse-la moi en fait. Vas-y, je te fais confiance. T'es à chier en fait, t'es à chier. C'est pas moi le coup franc. Non, il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Madrid. Non, ça va. Sans moi, il s'est coépié. Il chante l'hymne de l'ennemi, quoi. Fernando Guedes, transfert confirmé. Bah, parfait. C'est le plus grand bien. Putain, là on peut pas se permettre un match nul. Hein. Et tu vois, comme par hasard, souvent aussi, les faux pas des équipes qui sont devant toi interviennent quand toi tu fais un faux pas. Typiquement, tu vois, tous les matchs nuls de l'Atlético sont intervenus au moment où éventuellement moi je faisais une défaite ou un match nul, tu vois. Jamais quand je gagne, limite. Les gars, on est dans la merde là. Oh putain. Ils me la remettent trop vite en fait. Gardez un peu la balle, tranquille. Cherche tes coéquipiers, ils me foutent dans la merde. Il y a un espace. Y'a un espace, mon pote! La vision de l'aigle! Let's go! Il fallait la mettre celle-là. Ah non, on a vu un angle ouvert. Chercher un copain. Et là, y'a un angle énorme. Allez, très très bien ça. Il est important celui-là. Il est très important. Surtout pas prendre d'égalisation. Oh. S'il vous plaît, sortez-vous de là. Ah oui, let's go. Ça c'est beau. Oh, adresser une passe décisive. Ah merde, ouais, bon bah ça je l'aurai pas les gars. Pour mentir, ça en aura pas. Putain, on est rentré, on a fait la différence quand même. C'est quoi? Mets-la moi. Ah. Non. Oh, j'ai cru qu'il se passe un truc de fou. Si on mettait ça par contre. Oh, le dégagement il était propre. Hein. Ouais. Alors regardez bien, celui-là va être légendaire, je vous le dis. Oh là 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 là, j'aime. Encore la même.
Oh là 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 là. Bon les gars, ça, je marque un but comme ça un jour, ça c'est sûr. Incroyable. Et en spectacle, hein. Chaque fois que vous venez au stade, les gars, vous avez du spectacle. Hein. Au bout d'un moment, faut payer aussi les places. Hein. Bim. Oh là là là. Non mais frère. Ouais. Par contre, le gardien, il est... Oh, du mauvais pied peut-être. Hey, il y a vraiment un truc à faire avec cette reprise aussi. Hein. J'ai l'impression de voir des strats partout alors que j'ai pas marqué un seul but. Allez. Barcelone, hein. Le poteau. Barcelone, hein. Ça, c'était Barcelone, ça. Ça va, je peux tenter des trucs. Allez, on a fait la diff. Let's go. Là, je pense que le coach va être content parce qu'on a réussi le truc important. Let's go. On repasse dessus. C'est nickel. On va faire un petit entraînement ici maintenant. Au niveau du classement, c'est la Copa, justement. Donc, entraînement, on en profite. Parce que la Copa, eh ben, on s'en fout. À part c'est la demi-finale, mais bon. Je pense pas en vrai. C'est l'M de finale, hein, pas vous mentir. Bon, hein. Bon. On gagne. 2-1. Ah bah c'est très bien. Superbe. On est donc au 8ème. Parfait. Donc là c'est bon. Et du coup, au niveau du classement. Toujours pas le classement, non? Ah oui, c'est... Oui, c'est... chiant. 8ème de finale du coup. Putain mais ça va tellement vite la Copa d'Espagne en vrai. Et on va simuler aussi, hein. En vrai c'est comme ça aussi. 2-0. Pff, facile. Tu restes au Barça? Non. Non, je retourne à Manchester au bout d'un moment, bien évidemment, mais faut qu'on fasse des défis quoi. Ok. Le problème, c'est que, tu vois, rester en coupe, c'est pas forcément la bonne idée, quoi. Mais bon. Atlético, toujours dit... Ah non, faut pas. Ils ont fait un match nul, apparemment. Attends, j'ai combien? 6... Non, mais attends, quoi? Ah non, putain, ouais, ça va bien. Ok, ouais, j'ai 4, 8 points. Ils ont fait un match nul, les gars. En plus, toujours pas de défaite, hein. Mais ils ont fait un match nul. On revient à 8 points. Allez, les gars. Ah, il va y avoir un match Atlético super intéressant, hein. Super important, hein. Bien évidemment, hein. Ça, c'est sûr, hein. Ok, il y a donc le mercato. Parfait. Du coup, nous, on va faire un petit entraînement histoire de prendre le banc de... Voilà. Et on va aller voir notre effectif à la fin du mercato. Passer date limite. Oui. Oh, Wai est parti de chez nous. Ok, attends, on a perdu Wai. Donc ça, c'est un petit peu chiant quand même. Allons voir l'équipe tout de suite. Accueil équipe. Alors. Donc du coup, en pointe... Bah ouais, il est plus là. Normalement. Ah ouais, non, faut que j'avance. C'est pas fini. Faut que j'avance et après, ce sera bon. J'avance un peu. Voilà. Extérieur, coupe. Vas-y, on s'en fout de la coupe. Laissez-nous tranquille, en fait. On joue qu'à l'extérieur en coupe, t'as vu? Voilà, on perd. Parfait. Comme ça, au moins, on se fatiguera plus pour cette coupe. On repasse remplaçant, bien évidemment. Voilà, merci, au revoir. Et là, ce qu'on veut, c'est continuer... Mais ouais, mais tu vois, mais en fait, ils me foutent dans la merde à chaque fois parce que je suis remplaçant. Donc, je suis obligé de faire un entraînement là pour être titulaire, mais je serais fatigué sur le terrain. Bon, c'est pas grave, vas-y, on prend le risque. Ok, donc on est dans le 11 de départ. Et là, on va vite voir notre effectif quand même parce que, du coup, j'aimerais bien voir... Ah bah non, il est toujours là, oui. Bizarre. Mais du coup, c'est qui PEH pour toi, Rifano? Ok. On a Dembélé, ça c'est bon. On a beaucoup d'attaquants droit quand même, hein. Ferran Torres, franchement on a une grosse équipe, hein. Pedri, Kimmich, c'est sexy quoi. C'est quand même sexy, hein, mine de rien. Alors, par contre on n'a pas de gardien, hein. On a un déficit de gardien assez violent. Je sais pas qui c'est, frérot.
Après, tu parlais de Pierre-Emerick Aubameyang, moi, pour ça que j'ai tilté. Je sais pas qui c'est, frérot. Et je le connais pas, donc aucune idée. Il signera bien où il veut. Vous êtes le joueur du mois, mauvais match. Moi, mauvais match, c'est ça, ouais. Investissement, bah, en fait, les investissements, maintenant, on s'en fout un peu, hein, en vrai. On n'a plus rien à gagner, là. On n'a plus de thunes à faire. On a tout. C'est bon, c'est fini. T'es en quelle année? Oui. Je sais pas, je sais plus, frérot. Personnalisé. C'est où que je peux voir ça? Mon pro. Ma carrière. On est en 2027-2028 à l'heure actuelle. Voilà. Allez. Barça Valence. Pas le choix, faut gagner. Allez, on skip ça. Mettez-nous nos défis là. Et là, faut gagner absolument. Pas de mauvaise surprise. Alors, nos défis. Nos défis, on peut pas laisser une passe décisive sur un but. Non, attends, oh, putain, les tous sont galères. Vas-y, je vais mettre deux passes D, mais j'y crois pas une seconde. Parce que le problème qu'il y a, c'est que c'est moi qui marque des buts ici. Première action, on a failli. Hein. Écoute, sur Shiny, je sais pas, je vais essayer de prévoir peut-être demain ou après-demain. Il y en aura un ou deux cette semaine de toute façon, mais là, je vais juste attendre de recevoir 2-3 trucs. J'attends un peu ça. Allez, premier but. Merci bien. On continue. On les écrase. Il faut les écraser, les gars. Il n'y a pas de... Bien, ça. Non, mais c'est bon, on l'a. Quoi ? Tu arbitres. 31 buts en 23 matchs. Putain, par contre, les buts... on est une machine. On a l'instinct. On a l'instinct du buteur, les gars. Manchester, qu'est-ce qu'ils vont être contents de me revoir ? Qu'est-ce que c'est football, ça ? Les gars, on est en mission. En fait, tu vois, un seul homme met la pression de ouf sur les premiers. C'est moi. Je suis en train d'envoyer un message très clair à l'Atletico en leur disant, frérot, je vais être sur votre dos toute ma vie. Même quand le championnat sera fini, je serai encore là à marquer des buts pour vous rattraper si on est derrière. Oula, il a stressé là, totalement. Oh, j'ai écrasé ma frappe. Excusez-moi les gars. Faudrait que j'essaie de faire des passes, mais j'y crois pas une seconde quoi, parce qu'il marque jamais quand je leur fais des passes. Bon, après Ousmane c'est mon meilleur pote dans le club. On rigole et tout, et à chaque fois il me raconte des blagues, etc. Enfin, donc lui, ouais, lui je lui fais confiance. Viens Ousmane. Vas-y, pars. Voilà. C'est quoi? 24 minutes de temps, frérot. 24 minutes de temps. C'est tout ce qu'il me faut. C'est tout ce qu'il me faut, moi, pour montrer au monde entier que je suis le meilleur joueur au monde. Vous voulez pardonner des ballons d'or? Pas de soucis, les gars. Tout ça parce que je suis pas d'un grand pays européen ou américain. Pas de problème, c'est pas grave. Tu peux augmenter la difficulté? Voilà, tu vois, dès que ça se passe bien, à chaque fois, vous voulez que j'augmente ma difficulté. Les gars, je suis à l'avant-dernière difficulté, laissez-moi tranquille, on est là pour s'amuser. Je suis à l'avant-dernière difficulté et je suis persuadé qu'il n'y a pas la moitié des gens qui arrivent à se débrouiller à la moitié de la difficulté. C'est quand même déjà pas mal, non? Je suis pas un amateur non plus, hein. C'est juste que là, voilà, le match s'est super bien passé. On simule la fin du match parce qu'on gagne 4-0 et qu'on a fait nos défis. Tu vois, donc on n'a pas besoin de jouer plus. Et comme ça, au moins, on se fatigue pas trop. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. Du coup, au niveau du classement, les gars. Oh là là.
Au niveau du classement, bah t'es un joueur pro. Oui, bien sûr, oui. 8 points toujours. 8 points toujours, ok, donc ils ont gagné. Putain, l'Atletico, ils sont chiants, mais ils sont chiants, ma parole. Ils veulent jamais perdre un match, quoi. Allez là. Alors, du coup. C'est quoi le calendrier? Moi, j'aimerais voir le... Attends. Du coup. Voilà, je vais voir les matchs qui restent à venir. L'Atletico, là, ils jouent contre Irod. Bon, c'est pas là qu'ils vont perdre des points, normalement. J'en ai regardé un peu le classement. L'Atletico... Celtic? Bilbao, ça hein. Oui, Bilbao, je crois que c'est. Atlético Madrid Séville, voilà, ça commence à être intéressant. Atlético, ouais, ça on s'en fout. Putain, moi j'ai un Real Madrid Barça. C'est quand qu'on va jouer contre eux? Le match. Non. Je vous en fous de regarder Croatie-Espagne quand même. Non, calendrier, je veux le calendrier. Faut que j'aille voir le calendrier. Quand c'est qu'en fait on va les jouer pour mettre une pression de ouf. C'est ça moi que je veux voir. Ah, y'a LDC qui arrive aussi, putain. On les joue tard. Ok, on les joue là. Et après ça, il restera 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 matchs. Ok, donc frère, c'est bien qu'on les joue pas trop tard non plus parce que comme ça, il reste des matchs derrière, donc ça peut leur mettre une pression de dingue, quoi. Je suis en train de penser comme si le jeu réfléchissait à la vraie vie, ce qui n'est pas du tout le cas. Allez, c'est parti. T'as mis la vidéo que je mets là ? Oui, bien sûr. Ouais, là, clairement, oui. Oh, yeah. Et merci pour le sub, Gastoton. Ça va et toi ? Allez. Faut qu'on y arrive. Alors, 70%. Ouais. Non. On va prendre ça là. Let's go. Putain. Dommage. De faux pas. Oula. Oh, ouais, une petite faute là quand même sur mon attaquant. Mine de rien. Ah là 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 là, ils sont bien en défense eux, hein. Vous pouvez récupérer là. Attention. Attention. Oui, bien. J'aime pas les matchs quand on galère comme ça à marquer le premier but. Oh, y a trop de monde, hein. Y a vraiment trop de monde là devant le but. Queridos aficionados, informamos de que el club instalará una carpa repleta de sorpresas para que la visiten antes de nuestro próximo encuentro.
doucement, s'il te plaît. Pourquoi, tu vois, il fait une talonnade comme ça? Il peut aller seul, tu vois. En vrai. J'ai mal orienté mon stick avec la caméra. On n'a pas de chat. Bien défendu, on a de la chatte là-dessus. Ah, mais sérieux, je vous jure, c'est une galère. D'un match à l'autre, mon gars, c'est fou. T'as vu, avant, ça passait comme dans du beurre. Là, les gars, on galère un peu. On commence à avoir la pression. 36ème, toujours 0-0, pas de but. Ils peuvent être dangereux aussi en attaque. J'aime pas ce match. Oui, let's go. Pas facile, hein. Franchement pas facile. Hein. T'as par contre les défis, je suis vraiment loin. Oui. Je pensais qu'on partait là. Dommage, dommage. Allez, continuons. Bim. Non, je m'en fous du ralenti. Va falloir se mettre à l'abri, hein. Ah, la pluie battante. C'est pour moi maintenant. Quand il pleut, je suis un monstre. Moi, je vous rappelle que je suis en Angleterre. Hein. Ça, c'est un temps qui me convient. Enfin, petite frappe rasante là. Paf, paf. Ils sont pas 5, ils sont 6 derrière quand même. C'est quel des attributs? J'ai mis les trucs pour l'équipe en vrai. Je sais plus précisément lesquels, mais. Non, les pieds, c'est vrai que les passes, c'est vraiment mon point faible. Oh, je croyais qu'on l'avait. Ouais, un peu personnel. Ouais, tu peux le dire, clairement. On fait n'importe quoi, les gars. On se met pas à l'abri, ça sent mauvais, hein, je vous le dis. Ça, c'est le match qui sent mauvais. Hein. Combien d'argent tu signes à Mulhouse? Bon, le problème c'est que déjà pour qu'il me propose de venir, ça va être compliqué quoi, vu le prix que je suis. Mais, bah contrôle là Ousmane, au bout d'un moment, pour une fois que je réussis une passe. J'aime pas du tout. C'est vraiment cette sensation là de que l'ordinateur a décidé d'augmenter la difficulté là, vraiment. Mais je vois bien qu'il y a un problème dans mon équipe là. Ah, oh, c'est grave, tu le sens que ça va te douiller.
fait les diffs, hein. Ok, on a 75. Ouais, on n'arrivera pas à le taux de tir. Et un 2-9 aussi, on n'y arrivera pas. Là, on va prendre des points négatifs quand même. On va quand même prendre des points négatifs là. Oh putain, mon avoir média, c'est un délire. Vraiment que je le change. Oui, bien, bien les gars, superbe. Superbe, 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 bravo. C'est très bien l'équipe. Vas-y, de toute façon, j'arriverai pas à faire une note mieux que ça, donc on va demander le remplacement. Bon, bon, au final, on joue tout le match. C'est vrai que j'ai dû regarder le temps, ça va à rien. Petit périmètre, hein, vraiment. Hein. Ah. Allez. Bon. Ça passe. On n'a pas le résultat de l'Atletico. Est-ce qu'on est toujours à 8 points ou pas? That's the question. Classement. Ouais, toujours 8 points. Putain, c'est ouf, mon gars. La saison qu'ils font, c'est un dé... Il fallait que ça arrive sur moi, frérot. C'est incroyable, quand même, la saison qu'ils font. Allez, on continue, hein. On n'arrête pas. On n'arrête pas, les gars. On les suit. Il y a De Jong. Semble à De Jong. Salut, le BG, ça va? Dis-moi, j'ai acheté l'IA Play, j'ai pas reçu l'XP. C'est normal, je sais pas. Je travaille pas chez eSport, les potes. Comme d'hab, je peux vraiment comprendre que je suis pas un... je suis pas une hotline, hein. J'en sais rien du tout, les gars. Je suis désolé. Je vous avoue que c'est des questions. Vous savez très bien que moi je suis au courant de très peu de choses. C'est même vous qui m'informez des choses qui sont sorties. Enfin, là, par exemple, dernier truc en date, Bruno, c'est même vous qui m'avez dit: ah, t'as vu, Bruno qui va sortir en carte. Je l'ai pas vu, moi. Je suis pas à l'affût comme vous, quoi. Ils peuvent pas s'en sortir, là. Oh, la chatte! C'est pile là, ça va, et toi? Oui, prends-la, mais prends. Ah oui, quand même. C'est pas bien. Je sais pas si c'était quoi son projet, mais... c'était pas ouf. C'est comment ça sera à redevenir plus dur. Je le sens, tu sais, au niveau de surtout mes joueurs, quoi. Le pressing qu'ils font, toujours un petit peu en retard, tu sens que ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Oh, le contrôle orienté, il est dingue. Hein. Le contrôle orienté, il est dingue, les gars. C'est quoi mes défis? Éviter la défaite, adresser une passe décisive, ok. Faut qu'on fasse une passe D aussi. On a beaucoup de matchs là en ce moment, il faut pas qu'on soit fatigué. On a la Ligue des Champions qui arrive. Après, la Ligue des Champions, je vous cache pas que j'ai presque envie de la simuler parce que c'est pas ma priorité ici. Ma priorité, c'est de me focus sur le championnat et j'ai vraiment envie de pas avoir trop de matchs pour pas que les joueurs soient fatigués, pas de blessures. Ça, c'est ma hantise. Hein. Ça on doit quand même finir, hein, je pense, hein, en vrai.
J'essaie de me battre, mec. Ah, Delali. Là. Ouais, je sens parce qu'il faut la passe D. Hein. Wow. Une chose sur deux. Hein. Soit il prenait la jambe, soit il prenait la balle. Bien joué. Nul, ce que je fais, nul. Tu vois, à force de me focus sur les défis, on est toujours à 1-0, quoi. Alors peut-être j'aurais pu marquer un but en plus. Ils vont faire de la merde, là. Ah non. Oui, vas-y, prends-la. J'aurais bien pris un 2-0 à la mi-temps. Putain, je suis mitigé sur cette première mi-temps là. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais feeling. Mais bon, j'ai un mauvais feeling depuis 3 matchs, donc en même temps, bon. Allez, ça va le faire. Real Madrid gagne 2-1, c'est pas notre problème ça. Bon, ce qui va nous intéresser, c'est l'Atletico. Putain, comment ils font une saison, ils ont pas une défaite. Et quelle heure quoi. J'ai raté le sprinter parce que je sens que là ils vont faire n'importe quoi, voilà. Ils alignent plein de passes comme ça souvent, je lui fais faire n'importe quoi. Donne. Ouais, j'ai une passe D à faire, les gars. Ouais, j'ai une passe D à faire. Vas-y, on focus. Hein. Vas-y, dès qu'on a 9, on quitte. On essaie d'atteindre le 9 le plus rapidement possible. Si on peut, en marquant un but, ce serait bien. Mauvais timing. Tendre la jambe pour essayer de prendre la balle. Le coach, il dit non, c'est pas bien. En fait, en vrai, hein, tu vois, une carrière défenseur ou une carrière gardien, ça doit être affreux par rapport au fait où là, on attaque, bah, ça dépend tellement pas de toi. Et t'as l'impression que des fois, l'ordi, il est tellement con que ça doit être vraiment un enfer. Je sais pas si les gens font des carrières gardiens, mais je me dis, est-ce que c'est possible de faire des, enfin, tu vois, des Ligue des Champions et tout, etc. Tellement le jeu, souvent, te met dans la merde, quoi. Merci pour le sub, monsieur Black. C'est quoi cette passe? Faut qu'on récupère, les gars. Je vais côté de toi, il est tout seul. Sans la mouise. J'aime pas. En plus là le 9 elle va être compliquée encore une fois hein. Allez s'il vous plaît on sort de là, on marque un but encore et je me tire. C'est dur de passer là hein. Monde.
j'étais naze. J'étais naze, c'est normal, c'est normal. C'était un rush, ça. Hein. Mais j'avais la balle. Ouais, la note, c'est mort. Je suis trop loin, les gars. Vas-y, on va sortir. De toute façon, je suis trop loin de la note, je pourrais pas. On risque pas grand chose à 10 minutes de la fin, 2-0. Ça va le faire. Voilà, ça gagne. Donc, ouais, il est resté au final. Ok, c'était que des rumeurs, apparemment, le transfert, je crois. Ok, Ligue des Champions. Donc là, je vais pas vous mentir, les gars, vous allez peut-être être déçus, mais. Ligue des Champions, je vais pas la tryhard. Hein. Je vais pas la tryhard, hein. Vraiment. Là, le championnat est beaucoup trop important, c'est vraiment ça qu'on veut, on va tout donner là-dessus. Et on veut pas perdre de la... En plus, après, on a le Real Madrid. Non, il n'y a pas moyen, les gars, il n'y a pas moyen. On va simuler celui-ci, on verra le résultat de base. Mais non, on va simuler celui-ci. Hein. Plus les huitièmes de finale, il y a qui encore? Bayern, Celtic, Madrid, PSG, Salzbourg, Chelsea, Liverpool, OM, City, Leipzig, Manchester United, Borussia Dortmund, Madrid. Ok, ils sont tous là. Non, je vais simuler ça, les gars. On verra ça donne. La LDC, c'est pas ce qui va nous intéresser sur cette saison. Plus bon, on gagne 3-1, donc... Bon, forte chance de passer au tour suivant sans même forcément jouer. Ok, ça c'est bon. Et là, on va jouer ce dernier match pour la vidéo. On va faire un petit entraînement histoire d'être sûr d'être titulaire. Et là, on va devoir jouer le Real Madrid. Au niveau du classement, on a... Oh, 5 points. Ils ont fait leur première défaite du championnat. Et on a encore un match contre eux. Ça veut dire que si tout se passe bien jusque-là, ça veut dire qu'on peut revenir à 2 points. Les gars, l'histoire est en marche. Il reste encore 13 matchs, c'est long. Mais nous, le problème qu'on a, c'est qu'on a un classico à jouer contre le Real Madrid. Et le Real Madrid, il est derrière nous. Donc du coup, ils vont vouloir gagner. Putain les gars, la fin de saison va être sexy. Dernier match pour cette vidéo et ce live les gars, après je vais stopper. Ça va être intéressant, il faut gagner. Là, peu importe la manière, peu importe les défis, les trucs, les machins, je m'en fous, je veux juste gagner. Je veux juste gagner. Allez. C'est le classico. C'est maintenant. El Libertador. Magnifique faux stade, bien évidemment. Alors, 8,5 ou 10, attends, tour réussite des dribbles, caler 3 tirs, vas-y, ça va être celui-ci. On va fracasser cette cage là, je te le dis. Allez les gars, pas de faux pas, je vous jure. Là franchement, si on gagne ce match, je vais commencer vraiment à y croire fort hein, au titre. Si on bat Madrid. Plus nous arriver grand chose en vrai, on est en mission. Faute. Pas loin. Oui, bien. Et là, but légendaire pour commencer le match. Ok, ok, ça marche. Ça marche, ça marche. C'est pour les stats. C'est Schuller au goal. Villalba. Il y a toujours Tchouameni. Tiqueita. Bizarre. Rodrigo, toujours là. On a vu qu'il y avait Vinicius aussi de l'autre côté. Hein. Comme ça, on le sait. On s'en sort bien. Ah, il y avait moyen de la jouer mieux. Hein. Il y avait quand même vraiment moyen de la jouer mieux, cette contre-attaque. Hein. Club de peintre. Hein. T'as compris que ça va être compliqué. Hein. Oh putain. Bien joué.
célèbre. Papa. Let's go. Très très bon ça. Allez, on continue, c'est pas fini. Nkunku, c'est juste qu'il avait signé la dernière fois, j'en avais vu. Bien. Oui. Vamos. Ouais, j'ai bien espagnol quoi. J'ai jamais été autant pour le pour Barcelone, je te jure. Wow. C'est quoi ça? Cette passe là? T'es affreuse. Bien. Main! Ah ouais, mais y'a pas les mains dans les surfaces. Oui! Oui! Y'a pas les mains, tant mieux! Salut à tous, 37 buts en 26 matchs, c'est propre, ou alors c'est en mode amateur, mort de rire. Non, bah, j'ai rigolé, c'est drôle. Attends, un truc. Je fais encore deux frappes cadrées et à tout moment je sors du classico, je vous le dis. On évite les blessures, on évite tous les problèmes qu'il pourrait éventuellement avoir qui va nous séparer du titre. Par contre, pas de réduction du score. Bien joué, gardien. Viens. Ah, elle est où la balle? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, d'accord. Je pensais qu'il avait capté facile. Oh, viens vite. Quoi? Il arrache la balle? Oh oui. Ouais, bon, là ça va être dur quand même. Prendre la vitesse. Qui c'est qui me court après? Valverde? Je te fume. Je l'avais fumé, mais après, bon. Pas ma faute si tout le monde revient aussi, quoi. Oh, pardon! Oh, c'est bon, j'ai pas touché. J'ai eu peur. Bah oui. Ah ouais, connais pas les règles. Espèce de nul. Nul. Ok. Allez, pour l'instant ça se passe bien. Faut rester solide. Il nous faut deux tirs cadrés encore. Putain, c'est le match qui me faisait un peu le plus peur. Après, faut pas relâcher. Hein. Clairement pas se relâcher. Mais il y a un monde où on raconte une belle histoire. Hein. On est 10 points à la mi-saison. Et là, on est que sur des victoires depuis la mi-saison. Mais c'est 6-7 victoires d'affilée là. Ah, je suis hors jeu. Ah bah non. Pas super. Et bah but. Bah oui, mon pote. Allez, encore une frappe cadrée et on se tire. On va laisser après les petits de la Masia aller jouer contre le Real parce que c'est trop simple. Et oui, pour répondre à la question, je suis un légendaire, les gars. Avant-dernière difficulté. Et non, je ne gagne pas tous mes matchs. Et non, je ne gagne pas toutes les Ligues des Champions. Et non, je ne gagne pas tous les championnats. Facile.
juste sur une frappe cadrée, hein, s'il vous plaît. On va pas faire Milan pour la faire. Bien sûr, ils vont réduire le score histoire de me faire flipper. Putain. Tu verras, voilà. Je vais juste faire une frappe cadrée. Je vais pas y arriver. Maintenant là ? Vraiment maintenant j'ai plus de piles ? Mais non. Vraiment ? Mais enfin. Oh. Je reviens. Putain, vraiment, le timing il est beau. Hein. Ah, alors. Donne-moi des piles là. Ouais, j'ai encore des piles. Bah oui, parce que les batteries au final je les pète, donc ça coûte moins cher de racheter des piles. Alors, hop. Allez, ça repart. Je te jure. Allez, du coup, on va demander le remplacement. On a tous les défis. On a 8-3. Putain. Ouais, bon, allez les gars, c'est bon. Là, c'est joué de toute façon. On va avoir une dernière occasion qui va nous mettre à 8-5. Mais voilà, cette victoire, elle fait plaisir. Hein. Et franchement, là, les prochaines sessions vont être assez importantes. Hein. Je pense que peut-être demain matin, on refait direct parce que fut champion, là, enfin fut, il n'y a plus grand-chose à faire. Hein. Ouais, un peu la flemme, hein, là, dernièrement, d'y jouer. Autant faire de la carrière. Moi, je suis né à Genève, moi. J'ai demandé un remplacement, tu verras, là-bas, elle va jamais sortir. Là-bas, il est vénère. Hein. Qu'est-ce qu'il faut ? Waouh ! Putain ! Il est vénère en défense, hein. Peut-être la DR pour nous. C'est la DR. Putain, ils mettaient à 8,4, les bâtards. J'ai mon remplacement, ils mettaient à 8,4 de notes, quoi. Ah, vous êtes des gamins. Bon, on a tué le Real. On a tué le Real, les gars. Quadruplé. C'est ouf. C'est ouf, comme ça se passe bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on gagne ce match. Et du coup, on va pouvoir espérer mettre la pression sur l'Atletico. Tom, t'as vu ce qui s'est passé sur le Tour de Suisse ? Pas du tout. Pas du tout. Ah, les gars, toujours 5 points. Mais on se rapproche, les gars, on se rapproche. Je rends compte, on fait une saison quand même avec seulement 2 défaites. Hein. Pensons, on est deuxième. On va arriver vraiment sur un moment sexy. Hein. Et je crois d'ailleurs que la prochaine vidéo, il y a peut-être l'Atletico hein, dans nos... On va regarder vite fait le calendrier pour se rendre compte des matchs. Mais là, du coup, ouais, on aura 1, 2, 3, 4 matchs. Prochaine session, hein, on doit jouer contre l'Atletico. Et ben franchement, les gars, on n'y croyait pas. Hein. On n'y croyait pas. Ouais, dans les paramètres, les gars, oui, légendaire. Après, voilà, il y a ultime à mettre encore en plus. Et après, voilà. Mais moi, je suis en légendaire, tu vois. Donc voilà. Bon, les gars, on reviendra demain sûrement sur Twitch. Et YouTube, bah, ça arrivera très vite. On a fait une très bonne session. Bah, c'est assez simple. Hein. Je crois que sur la session, on a que des victoires. On va vite vérifier ça. Hormis ce qu'on a simulé. Mais ouais, on a voilà, la coupe. Hein. Donc là, championnat 4-1, 2-0, 1-2, 0-2. Après la coupe, on a perdu. Après, on gagne 5-1, on gagne 3-0, 2-0, 5-1. On est solide. Hein. On est vraiment solide. Il n'y a pas trop de surprises. Hein. Bien évidemment, au niveau des stats, on est largement meilleur buteur du club. Donc on est plutôt bon. Bon les potes, on se dit à demain. Faites pas trop les fous. Je vous dis à la prochaine. Step Psycho. Bye tout le monde les potes. Ciao ciao les gars.